On est le 10 janvier, il est à peu près 13h, 13h30. Et départ du Mindelo pour une petite transat en solitaire. Donc le passage ici à la baie de Mindelo est un petit peu sportif. Grand voile à deux riz et moteur pour pas se faire chier. Bon, après avoir cherché différentes causes possibles, j'avais un problème de pilote. J'espère que il va maintenant marcher jusqu'au bout, parce que j'en ai au moins pour 2 semaines, comme ça. Les conditions sont comme ça tout le long, j'achète. Et là dans le fond on distingue encore un peu Santo Antão. Bonjour, deuxième jour de mer, 7h30, je vais un peu augmenter à cause des réglages, il a poussé. Il s'est mis à tenir, il n'a pas décroché depuis à peu près 3h du matin. Petit déj. Crème au chocolat, maison, peut-être pour mon bébé d'amour. Merci mon cœur. C'est tard. À bout de force, parce que c'est comme ça. IV les slips. Bon. Mais comme je vais vers ça, et que je sais pas ce que ça va donner, je mets le moteur. Restez prudent. Petit coup de chaud du matin. Finalement, j'ai mis le spi. J'en chie un peu pour le mettre bien. C'est pas nickel. Mais bon. Il est en place. Je vais voir ce que ça donne. J'aurai tout le temps d'ajuster. Donc là, avec. Effectivement, c'est pas terrible parce qu'avec 10 nœuds de vent, je fais que 4 nœuds. C'est profilé. Bon, les conditions sont cool. Hein. Un peu trop même. Ce frein-là, je vais mettre 20 jours. Du coup, voilà, tu réconfort. Allez, plus tard. Salut Didi. Dimanche matin, le jour se lève et j'ai de la compagnie. Dimanche après-midi, il est 15h30 à peu près. Le vent a l'air de revenir. 12-14-2. J'ai enlevé le spi parce que ça commence à embarquer pas mal avec le bateau. Et comme je suis tout seul, pas vraiment de surprise. Mais je vais la jouer prudent, sous génois seul. On voit que ça recommence à moutonner. On fait 3 et 5 nœuds suivant le vent. Quand on a 12-14 nœuds, on fait à peu près 5 nœuds. Bon. Voilà. Cinquième jour de mer, c'est toujours calme, trop calme à mon goût. On a
6 à 8 nœuds devant. Donc j'ai le moteur. La voile a du mal à gonfler correctement. Bon, voilà, voilà. Sinon, bah, la mer est belle. Elle est incroyablement bleue. Et là, pour le coup, voilà, ça fait 5 jours. On va dire 4 pour faire envoyer les îles. Que je suis seul à ce point-là. Personne. Mais bon, pour l'instant, ça fait. On passe en volant. Bon, puis la vie à bord, hein. C'est ultra simple, hein. On prend pas la tête. Donc, je regarde des films, je mange là, je cuisine. J'essaie de pas me laisser trop déborder. J'ai encore un petit peu de frais, pas beaucoup. Les citrons commencent à moisir. Donc j'ai mis au frigo le maximum. Lily qui vient son quart de veille. Tia Choumi, elle a trouvé sa place. Un bébé. Et puis, pour l'instant, ça le fait. Fin de la cinquième journée. Miracle. La houle nous pousse. Coup de soleil, on part après. On a des 12-14 nœuds de vent. 5-6-2. Et là, coup de soleil qui se prépare. Pourvu que ça reste établi comme ça maintenant. C'est bien, on est marre de faire du moteur. Petite poêlée, haricots verts, patates, chorizo, courgettes, dans le chanteur. Ça devrait bien se passer. Petit film. Mercredi 16 janvier, le jour se lève. Moi aussi. Je vais être dans le cul ce matin. C'est bon, ça va. Toujours tout génois seul, gré en spi. Je pense que je vais rester comme ça jusqu'au bout maintenant. Le vent est revenu, cette nuit ça a été un peu la merde. Voilà, ça a été ça. Didi qui glisse tout le temps. Pas bougé. Ça bouge toujours d'ailleurs. Et le bateau avançait pas cette nuit, donc ça bougeait beaucoup plus. Là on fait entre 4 et 5 nœuds. Avec des pointes à 6 avec la vague. Normalement mes bébés sont bien arrivés, je l'espère, j'attends un petit message par le satellite. Et puis j'espère que tout s'est bien passé, voilà. Je m'inquiète quand même un peu. A plus tard. Et merci à ceux qui m'envoient les messages sur le satellite. C'est vraiment super cool. Il n'y en a pas 50 000 hein, pour l'instant, je suis au 6e jour. Donc merci Jérôme de Cognac qui m'envoie un petit message quasiment tous les jours, à ma mère qui pense à moi aussi, tous les jours aussi. Copain qui m'a envoyé un message, et puis mes trois bébés d'amour qui m'envoient un petit coucou et puis qui m'ont bien rassuré en me disant qu'ils étaient rendus à l'appart et qui m'attendent là-bas. Donc je suis déjà moi rassuré de mon côté que tout se soit bien passé. Voilà. Donc merci à tous et puis à bientôt. Bon ben je vais être maudit moi. Je vais me faire chier avec le tangon là. Tangonner le génois. Et là que j'ai fini. Voilà, il y a. Ça va voir. Ça marque 3,8 4 nœuds devant. Je pense qu'on avance à 4 nœuds. Voilà. Et puis un peu de devant du tout. Par contre, j'ai toujours un peu de houle qui me pousse. Donc bon, bah, comme il me reste une petite marge, on va dire, pour le carburant, bah, je ravance encore un peu au moteur.
en espérant pas rester planté après comme un con. Voilà. Alors, la Transat, c'est aussi la cuisine en navigation. Pour donner une idée de la vue de la cuisine. Ça gigote un petit peu quand même aujourd'hui. Voilà, tranquille, encore là il y a une petite accalmie. Voilà, c'est en train de cuire gentiment. Je profite justement que ça soit un peu calmé. Ça ne peut pas être trop dégueu. Pain fini, ce que ça donne, ça peut pas être trop mal. J'ai droit à un petit grain, que c'est au coucher du soleil. J'ai roulé le génois, je sais pas ce que ça va donner en vent. Donc, de toute façon, je suis au moteur pour recharger les batteries, pour être tranquille pour la nuit avec le pilote. Donc voilà, on va bien voir. Ça bouge un peu. Bon, c'est pour donner une idée du roulis permanent. Là, on n'est pas encore la mer derrière. Donc là, ça bouge un peu aujourd'hui. Mais bon, on avance pas mal. Toujours sous les lois, seul pingolet. Un oiseau. On est au milieu de l'Atlantique et un oiseau. Des choses bizarres. Là, je dois être à un peu plus de mi-chemin normalement. Je ferai le point tout à l'heure. Normalement, je passe dans la période des comptes en termes de jours. Bonjour. Bon bah aujourd'hui c'est dimanche, on est le je sais même pas quel jour on est, le 20. On est le 20 janvier, il doit me rester 7 à 8 jours de mer et j'en ai profité pour me raser parce que ça s'est un peu calmé. Il n'y a plus trop de vent, mais on fait 4-5 nœuds. Voilà. Et là, yes, remarche. C'est pas mal. Enfin, ça fait déjà quelques jours. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça donne en vidéo. Et ça, c'est levé de pleine lune. Elle est magnifique ce soir. Là-bas, bah, fin de coucher de soleil. Pas mal non plus. Hein. Allez. On va allumer pour préparer la nuit. Mercredi 23 janvier, il est 8h. Là, je viens de prendre une douche. Je voulais filmer pendant que je prenais la douche, mais j'ai pas trouvé comment accrocher la caméra. Donc, je vais juste vous montrer comment je procède. Donc, je le fais dans le cockpit à l'aide du pulvé de jardin qui est là. Et comme je fais 2 heures de moteur, entre 1 heure et 2 heures de moteur, suivant les besoins, tous les soirs pour recharger le complément d'électricité pour être sûr d'avoir assez et pas que le pilote décroche. Ce serait con que le pilote décroche juste parce qu'il n'y a plus assez de batterie. J'ai aussi de l'eau chaude donc,
Donc du coup ça me permet de prendre une douche chaude tous les 2-3 jours. Ce qui est quand même pas désagréable. Petit luxe en navigation, voilà. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Il y a de plus en plus de sargasses, des algues. On voit... Ça fait carrément des cordons. Aujourd'hui 25 janvier, le 15e jour de mer, il est 8h. Je viens de prendre mon petit déj. La mer a été formée toute la nuit, elle est encore un peu formée ce matin, un peu moins. Mais bon, ça fait bouger un petit peu quand même. Hein. Voilà. Et on a bien avancé, je pense. Alors, on voit que là, un petit peu de houle là aujourd'hui. Je sais pas si on voit d'ici. On voit poisson volant sur le pont. Je pense arriver lundi matin. Il y a à peu près 15 nœuds de vent, 16-17. Et on voit pas sur le GPS. On fait de l'ordre de 6 nœuds. Voilà. À Didi. Samedi matin, le 26, donc 16e jour de mer. Ça a été un peu mouvementé cette nuit, ça bougeait beaucoup. J'ai pris deux grains consécutifs avec des vents à 25-30 nœuds. Et je pouvais pas réduire génois parce que je m'étais endormi et le vent était en plein dedans quand je m'en suis rendu compte. Donc bon, j'ai fait avec. Bon, c'était total vent arrière, donc ça poussait bien. Je vais avancer à 7-8 nœuds, 9 nœuds des fois. Aujourd'hui, la mer est bien formée. Voilà. Je sais pas si on va voir. C'est un des petits moments de calme, on va dire. Après, il y a toujours une accélération. Voilà, bon, c'est un peu le Bronx. Encore, ça va. Là, je dors là. C'est le plus simple, plus confortable pour moi. Et il me reste environ 180 000 à parcourir. Donc, je devrais être là-bas dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien dans le fond là-bas, c'est l'île de la Martinique. Donc l'arrivée. 17 jours et une demi-journée à peu près. Voilà. En Martinique, je me suis fait avoir, il fait pas beau. Mais bon, je suis arrivé. Au fond là-bas, la baie de Sainte-Anne. Je vais me mettre à l'ancre. Voilà, allez, une petite dernière sur la traversée. Je vais passer la nuit dans la baie de Sainte-Anne. Lever de soleil sur la baie de Sainte-Anne. Dans le fond là-bas où il y a tous les mâts, c'est la baie du Marin. Je vais aller me mettre. Voilà. Elle est encore couvert. Et le soleil arrive. Au fond là-bas, le diamant. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Là, on voit les fonds. Et à 6 mètres.